Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire encore une carte pop-up parce que j'ai remarqué que vous adoriez ça. Donc voici la carte que nous allons faire aujourd'hui qui s'ouvre comme ceci et voilà, on déplie. Donc pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de la collection qui s'appelle Prestance Naturelle qui est à la page 70 de notre catalogue. J'ai utilisé les papiers, le lot et le ruban. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurence Desnaux et je suis, on va dire, la madame Tupperware du scrapbooking. Donc, vous pouvez acheter tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai comme d'habitude le lien sous cette vidéo où vous pourrez me contacter directement. Mes coordonnées seront également dans la description. On se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Dans une feuille de papier cartonné, on va faire une bande de 14 cm sur 24,5. Dans les 24,5, on va marquer un pli à 10 cm et un autre à 20 cm. Maintenant, on va pouvoir coller, alors ça se plie dans ce sens-là, je me trompe, on va pouvoir coller deux papiers imprimés à l'intérieur de la carte. Moi, je vais choisir ce papier-là, qui fait partie de la collection Prestance Naturelle. C'est vraiment des très jolis papiers dans des tons automnales, moi j'adore. Là, vous voyez, il y a toujours deux faces différentes. Et donc, pour l'intérieur, je vais prendre ma règle et vous donner les mesures exactes. Donc là, on a dit que ça faisait 10, donc on va couper à 9,5 sur 13,5. Ensuite, on coupe un morceau de 11 cm par 17,5. Dans les 17,5, on va pouvoir marquer un pli à 1,5. Et demi, 9,5 et 10,5. On plie ce morceau là au dos. Et là, on va coller ces plis ensemble. Dans une autre feuille de papier imprimé, on va découper trois morceaux de 6,5 par 10,5 et on va les coller. Alors, j'ai marqué un repère au centre là à 7 cm au niveau du pli, c'est la moitié. Là, au dos, pareil, j'ai marqué un petit repère au crayon de papier à la moitié, c'est-à-dire à 5,5.
et on va coller dans ce sens. Donc attention, vous voyez, les repères sont face à face, mais je vais mettre la colle au dos. Maintenant, je vais venir mettre de la colle en haut et en bas. J'ai repris mon même papier imprimé qu'à l'intérieur, donc il mesure 4 cm par 13,5 et on va pouvoir le coller sur le petit rabat. Et pour le devant de ma carte, j'ai choisi ce motif là. Je vous le montre en grand. Et au dos, c'est un joli vert. Donc il est assez neutre et on va pouvoir décorer la carte plus facilement. Voilà. Maintenant, il reste juste à décorer un peu le devant et pour l'intérieur, je vous laisserai mettre des photos ou un texte de votre choix. Donc c'est parti, je vais préparer toutes mes découpes et on se retrouve pour l'assemblage. Avant de vous montrer la carte finalisée, je vais vous parler un petit peu de cette collection avec laquelle j'ai travaillé aujourd'hui. Donc elle s'appelle Prestance Naturelle. Et comme vous pouvez le voir, tout est encore coordonné entre les papiers vraiment qui sont imitation un peu terre cuite dans des tons automnales. Vous avez toutes les couleurs des papiers coordonnés ici qui sont assorties à ces papiers. On a un magnifique ruban et ensuite on a ce lot qui s'appelle faïence texturée. Et donc vous avez les tampons et les découpes. Donc voici le set de tampons, comme vous pouvez voir c'est vraiment tout en finesse et en délicatesse et moi je range à l'intérieur mes découpes, voici les découpes avec beaucoup de feuillage, de choses un petit peu esprit bohème, moi j'adore franchement, c'est très joli, je pense que je vais beaucoup travailler à l'automne avec cet ensemble. Je vous montre également le ruban. Vous voyez, c'est un ruban qui est tressé joliment. Ça fait un joli motif. Et après, moi, sur ma carte, j'ai utilisé les pois autocollants métal rustique. Regardez, ils sont très jolis. Et pour finir ma carte, j'ai trouvé que ça s'y prêtait bien. Donc, je vous montre maintenant la carte finie. Voilà. Donc le devant, vous voyez, j'ai utilisé pas mal de choses, des découpes, les pois. Alors là, ce découpage-là est assez particulier, je vous explique. Cette forme de papyrus, donc elle est très plate normalement. Et quand vous l'avez découpée, il suffit de donner un petit coup de ciseau entre chaque feuille et il y a déjà le pli et il suffit de pincer un peu vos feuilles comme ceci pour marquer le pli et que ça fasse du relief. Là, au niveau du pot, j'ai utilisé le ruban. Là, j'ai utilisé une découpe qui était un petit peu plus grande. C'est celle-ci que vous pouvez voir là. Donc, je l'ai collée et j'ai coupé ce qui dépassait de chaque côté. Le pot, là, je l'ai fait dans le papier imprimé et celui-ci aussi qui est magnifique. Je vous le montre tout de suite. C'est franchement un gros coup de cœur. Regardez, ce papier, il est vraiment très, très beau. Ça fait comme les poteries qu'on trouve en Provence et tout avec, moi, je dis des dégoulinures, mais c'est pas très joli. Enfin, vous me comprenez, je pense. Il n'y a pas de souci. Et là, ce que j'ai fait, donc, j'ai découpé justement ce motif un petit peu qui avait l'impression d'avoir glissé sur la faïence, j'ose plus dire des dégoulinures, parce que je ne sais même pas si ça existe. Enfin bref, vous me comprenez. Voilà, donc j'espère que la carte vous plaît. Donc quand on l'ouvre, moi je n'ai rien mis pour l'instant,
parce qu'il suffira de rajouter, je pense ici, un texte pour qu'il puisse se glisser dans la petite pochette. Et là, après, on peut y mettre deux jolies photos en souvenir d'une soirée pour offrir à des amis ou pour un événement particulier en fonction des papiers que vous allez choisir. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, de me laisser un commentaire. J'adore vous lire à chaque fois et c'est toujours un plaisir. Si vous faites des créations, envoyez-les-moi, partagez-les sur Facebook ou autre en me notifiant, c'est-à-dire vous mettez @LaurenceDesNauds, comme ça je pourrai voir vos réalisations. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!